Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo opening puisque nous arrivons à la fin de la saison 10. Nous sommes dimanche, donc c'est le dernier jour pour pouvoir récupérer des packs de saison qui sont gagnés à partir du level 61. Donc moi j'ai réussi à en obtenir une dizaine. Donc on les a là, voilà, les 10 packs du chasseur légendaire. J'ai également des paquets cadeaux que j'ai obtenus avec Twitch. Donc en regardant les streamers, donc pour les streamers, je remercie principalement Gelfist puisque c'est en regardant ses lives à lui que j'ai réussi à gagner ces paquets cadeaux. Voilà, maintenant je fais quand même un petit coucou à La Montagne que vous devez probablement connaître et également à Ganacherie et C4 Thiago, mon petit Thiago. Voilà, ces quatre streamers français qui font du très bon contenu, que ce soit en termes d'ambiance comme en termes de qualité de jeu, etc. Je trouve que ces quatre-là ont le mérite d'être mis en avant et voilà, moi je les suis régulièrement et c'est toujours un plaisir d'aller sur leur live, donc n'hésitez pas également à aller checker leur live sur Twitch, je vous mettrai leur lien dans la description. Ce sera toujours un plaisir d'aller discuter avec eux là-bas directement sur place. Voilà. Allez, donc juste avant de faire ce petit opening, j'ai souhaité voilà, vous faire un opening assez général. Donc on va aller au Comico. Donc au Comico, je vais ouvrir 4 caisses vertes puisque j'ai déjà malheureusement ouvert une caisse bleue pour la quête des raiders. Ensuite, on va aller se faire un opening au bunker, où là donc on aura les caisses du bunker et on y mettra également une disquette. On se fera les caisses de marchand et ensuite donc on se fera tout simplement l'opening de fin de saison. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite, hop, par le commissariat. C'est parti, le temps que ça charge. Allez, allez. Voilà. Donc là, normalement, ouais, voilà, j'en avais 5, mais bon, du coup, je ne pourrais en ouvrir que 4. Puisque là, vous voyez, il y avait la bleue qui est ici. Allez, c'est parti. On ouvre les 4. Hop. Les voilà. Alors, ici, on va avoir une machette, une caisse de marchand. Je la prends. Pour faire l'opening, les coupons, les machins, ok, ça c'est bon. Ici, un petit katana, c'est plutôt cool. Et le reste, on va dire que c'est assez classique. Ici, un tuyau, ok, je le prends. Très bien. Et ici, hop, la caisse de marchand et une petite batte. Bon, ça c'est pas terrible. Voilà, donc 4 caisses vertes, 3 armes de mêlée qui sont plutôt correctes. Donc moi je prends, il n'y a aucun souci, ça me va très bien. Allez, je vous fais juste une petite coupure et puis on va se retrouver tout de suite au bunker A. A tout de suite. Allez, nous sommes arrivés au bunker. Hop, voilà. Donc là, je vais tout de suite prendre le nombre de tickets qu'il faut. Alors, 30 tickets rouges. 25, 25, n'importe quoi. Hop, hop, voilà. Ensuite, 25 tickets orange, parfait. Et 20 tickets verts, 14, 15. Hop, 20 tickets verts, voilà. Ça, je vais y mettre là, ça, je pose là. Je vais vite fait poser 2-3 trucs dans la moto. Si j'ai de la place, c'est même pas sûr. Si. Je vais poser les caisses et les armes. Voilà. Hop. Je vais également prendre une disquette avec moi. Tac. Et là, on est plutôt pas mal. Je vais tout de suite aller poser la disquette. Comme ça fera une petite place. Disponible dans le sac. Allez, allez. Hop. Voilà. Chargement des données. Tac. Données reçues. C'est bon. Allez, c'est parti pour l'opening. Hop. Hop. Et hop. Ici, plutôt classique, on a le Glock, on a de l'essence, on a
une tenue level 2, donc c'est plutôt classique, mais moi j'aime bien, je le prends toujours, c'est pas un souci. Ici, on va retrouver un Glock et une M16. Le reste est correct. Et dans la boîte rouge, donc celle qui est normalement quand même la plus intéressante, on va avoir pas de C4, ça c'est dommage. 3 Glock et une M16. C'est léger, c'est très 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 léger. Deux tenues militaires, ouais, c'est vraiment pas ouf. Là, du coup, c'est pas terrible terrible. Allez, je vais quand même prendre la tenue militaire puisque la tenue SWAT, elle est pétée. Voilà. Bon. Allez, je vais quand même prendre l'essence aussi. Hop. Hop. Et hop. Tac. Voilà. Allez, c'est tout bon. Donc là, on va aller directement en zone de disquette. Et ensuite, on se retrouvera à la base pour le reste des openings. À tout de suite. Voilà, on est sur place à la zone de disquette. Allez, c'est parti. On rentre sur la zone. Je vais juste poser l'essence dans la moto là. J'espère que c'est pas une disquette infectée, évidemment. Sinon là, je vais galérer pour trouver de la place pour tout le bazar qu'il y a dedans. Alors, l'essence, ouais, je peux en poser deux. On va faire un peu le radin. Voilà, hop, hop, hop. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, ça fait une petite place. C'est pas mal. Alors, on commence déjà par une grosse bête, ok? Voilà, ça c'est fait. On va aller faire celle-là de toute façon, parce qu'on sera obligé de la tirer. Tac. Et là, on a une caisse normale. Bon, c'est déjà ça. Allez, on croise les doigts. C'est parti, que l'opening soit un peu meilleur que celui du bunker quand même, parce que franchement, c'était pas ouf. J'ai trois armes, j'ai un VSS, une AK Magnum. Ok, trois plaques d'acier, moi je prends, deux barres de cuivre, ok. Encore de l'essence. La tenue, alors les deux C4 c'est classique. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pire, il y a mieux quand même. Une petite Scar, un petit Milcor, ça m'aurait franchement fait plaisir, mais bon, voilà. J'espère que c'est pas de mauvais augure tout ça pour l'opening de fin, parce que franchement, pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Allez. Bah, ce qu'on fait là, on va se retrouver directement à la base pour les caisses de marchands, et puis bah, je vous récupère tout de suite. Voilà, on se retrouve à la base. Donc j'ai réuni une dizaine de caisses de marchands, comme ça on va pouvoir se les ouvrir en même temps. Alors, je me pousse un peu, voilà. C'est parti. Hop, un tuyau, une machette, un petit gun, un autre gun. Une M16, ça va. Moi, il y a des trucs qui me plaisent, donc ça me va très bien. Une masse assis, ça, je commence à en avoir plein, ça me saoule. Le maillet aussi, le katana, ça me va bien. Encore une masse assis et encore un katana. Bon, une petite dizaine de caisses de marchands, plutôt sympa, toujours agréable à faire. Moi, comme d'habitude, bah, je vous invite à faire voilà comme ça pour vous stocker un petit, pour vous accumuler un petit stock d'armes. Voilà, c'est de conserver les caisses de marchands et puis de vous faire des petits openings comme ça. Alors une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Moi j'ai l'habitude de les faire par 25, donc là j'en avais utilisé pas mal. Du coup je me retrouve avec une dizaine de caisses que je viens de vous ouvrir. Bon ben ça fait toujours des armes en plus, donc c'est plutôt agréable. Allez, on passe au fameux opening. Tac, tac. Donc là voyez, j'ai une dizaine de packs de chasseurs et j'ai quatre paquets cadeaux. On va commencer tout de suite par les paquets cadeaux, voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce qu'on peut y trouver dedans. Alors je sais qu'on peut avoir des croquettes, ce genre de trucs, mais je ne sais pas trop. Allez, c'est parti, ouvrir. 30 rations. Ok. Bon, ça me va. Je les utilise pas hein, personnellement, donc bon, je les prends quand même. La preuve, hein, je les utilise pas. Elles sont encore, vous voyez, j'en ai 168. J'en ai jamais utilisé une seule ration, je crois, depuis qu'elles existent. Je les garde, on sait jamais. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est ça?
Oh, le modèle fantôme, mais c'est le modèle rare, il me semble ça. Ouais. Bah, il est pas mal. Il est pas mal. Ok. Ensuite, ouais, voilà, donc là on a des croquettes. Très bien. Et le dernier, eh ben, des croquettes encore. Parfait. Super. Eh ben, impeccable. Modèle fantôme. Bon, ben, c'est bien. Allez. Pack du chasseur légendaire, donc là on est sur les packs de la saison 10, donc qui s'achève aujourd'hui. J'ai une dizaine de packs. On peut obtenir pas mal de trucs. On peut obtenir surtout des armes. Donc moi clairement bah, c'est les C4 qui m'intéressent le plus. Au niveau des items rares, je sais que beaucoup d'entre vous cherchent absolument le modèle Zombinator. Je sais que beaucoup cherchent le sac à dos chaton. Moi clairement avoir un chat dans le dos qui miaule sans arrêt dans les oreilles, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, mais personnellement, je le sac, si je l'ai, bah tant mieux. Si je l'ai pas, c'est vraiment pas grave. Le modèle de la moto, il est joli. Il est fluo, quoi. Mais il est joli, ok. Bon, bah, il brille la nuit, c'est sympa. Non, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, alors c'est peut-être bizarre, mais ouais, c'est l'hologramme. Je le trouve vraiment stylé. Je trouve ça assez sympa. Donc, avoir ça dans la petite base avec le reste des décos, bah, ce serait plutôt cool. Allez, sinon je vous dis, c'est pas grave si j'ai rien. C'est parti. Le harpon, super. Allez, on continue. La Scar. Ok, moi ça me va, la petite Scar. Encore un. Les C4, parfait, ça c'est super. Ensuite, le minigun, ouais, très bien. Ensuite, le VSS. Toujours pas d'item rare. Et donc là, je vais avoir le 1000 corps. Voilà. Et puis c'est tout. Allez, il me reste plus que 4 packs à ouvrir. C'est parti. Il me faut au moins les C4. Moi, les C4, j'en veux absolument. Et l'Ascar aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, l'Ascar, parfait. Ensuite, hop. Le minigun. Alors, le minigun, à part pour le mettre dans le recycleur. Le VSS. Ok, super. Et hop, le petit 1000 corps. Et ben voilà, impeccable. Alors j'ai pas eu d'item rare, vous voyez, donc ben vous ne me verrez pas ni avec le sac à dos chaton, ni avec le zombinateur, et je n'aurai pas l'hologramme non plus dans la base. Et ben c'est pas grave, c'est le jeu qui est fait comme ça. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cet opening, on a vu pas mal de trucs. Voilà, j'espère en tout cas bah, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez réussi à avoir et surtout bah, combien de packs vous avez pu avoir également avec avec cette saison. Voilà, moi je pense avoir fait le tour. Et puis bah on va passer sur la conclusion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao!